Un éditeur est donc une entreprise qui transforme le travail d'un auteur en livre. En France, une des maisons d'édition les plus célèbres s'appelle Gallimard. Voici une photo à Paris. Ici, ils décident quels livres ils vont publier, mais ce n'est pas ici qu'ils fabriquent les livres. Comme ils publient beaucoup de livres, ils sont obligés de les classer. Ils ont plus de 1000 collections. Vous en connaissez certaines. Vous connaissez les romans de Folio Junior ou de Folio Cadet. Vous connaissez les documentaires des Yeux de la Découverte ou des Premières Découvertes. Le Petit Nicolas est de la collection Folio Junior. Louis le Papillon est de la collection Giboulée. C'est pour les enfants plus petits. Le Prince des Mots Tordus appartient à la collection Folio Cadet. Dans les documentaires, vous connaissez les Yeux de la Découverte ou encore Première Découverte. Ou plus tard, vous lirez juste Découverte. Pour finir, retenez bien, une maison d'édition a toujours plusieurs collections.